Poufouf Youtube, Poufouf John. Poufouf. On est avec John pour un nouvel épisode. John, monte sur ta moto, on va aller voir là-bas, j'ai l'impression que c'est le bruit d'un lockpick. On va aller voir si ça... Lockpick. Vas-y. Ah, on va aller voir si ça lockpick, parce que j'avais l'impression que... J'ai l'impression que ça faisait tac 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 tac, comme s'il y avait un lockpickage en cours. Donc on va aller voir ça. Du coup, nouvel épisode avec John, mesdames et messieurs. Ah, le mec est dans les cailloux. Dans les cailloux, fais le tour, fais le tour. Bonjour monsieur, c'est la police. Monsieur, montrez vos mains de suite. Montrez vos mains. Parfait, restez où vous êtes. D'accord. Vous êtes seul? Oui, je suis tout seul. Très bien. Très bien. Bonjour. Monsieur, vous avez baissé vos mains et revenir vers nous. Sans rien mettre dans vos mains. D'accord, pas de problème. Parfait. Revenez vers nous. Parfait. Tu le menottes, s'il te plaît, étant donné qu'il a tenté de prendre la fuite, monsieur. On vous menotte pour éviter de vous courir après derrière le caillou. Pour information, on a entendu un bruit de lockpick. À notre arrivée, vous avez pris la fuite. Donc on va vérifier que... Il n'y a pas de souci. Mais avant, on va vérifier qu'il n'y ait pas un gars qui soit resté caché. On va vous poser la question. Je vais vous poser la question qu'une fois. Hein. Vous allez répondre le plus sincèrement possible, ça va en déterminer de votre contrôle. Est-ce que oui ou non vous étiez en train de voler un véhicule? On est bon les gars motards. Vous aviez un collègue ou pas monsieur? Oui j'ai un collègue mais il est parti. Il est où? Il est là? Il est sur Zoom? Non il est un peu plus loin mais. Un peu plus loin c'est où? Vers la montagne mais il est parti manger du coup. Chef il vient de confirmer hein. Il était bien en train de lockpick? Ouais il m'a dit qu'il a des lockpicks sur lui. Oscar pour rien. Très bien, c'est quoi votre véhicule, monsieur? C'est la Ford Mondeo. La blanche là-bas. La blanche? Ok. Oui. Y'a des armes sur vous, monsieur? Non, j'ai rien. Oui, rien. Dans le véhicule. Ouais, pour information, on vient d'arrêter un voleur de voiture au niveau du vendeur moto. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un véhicule pour venir le rechercher? Monsieur a confirmé être en train de lockpick une voiture. Je vais le ramener. Ouais, c'est reçu. Je vais regarder si une est disponible. Oh. Vous avez pas de chance, monsieur, hein? Bah ouais, tout. Vous bien. Avez pas de chance. Du coup, votre voiture, c'est la blanche ici, en face de vous? C'est ça. Ça marche. Donc, pourquoi vous faites ça, monsieur? Bah, c'est un peu la crise, hein. On n'a pas beaucoup d'argent, du coup, donc on vient de... Monsieur, j'aimerais savoir où sont vos papiers. Maintenant, on va se rendre sur l'aéroport pour prendre un hélicoptère et faire une opération commune avec les pompiers sur l'aéroport de Moret. Bon, Yannick Sam, c'est bien votre identité. Ok, c'est reçu. C'est suivi pour Erien. Ouais, c'est suivi. Du coup, il n'y a personne qui vient. Négatif. Personne n'est disponible. Et Bravo est actuellement au transport de prisonniers. Bah dans ce cas-là, on peut peut-être avoir un véhicule de sécu, on l'escortera jusqu'au commissariat pour faire le transport. David? Ouais. Juste, monsieur, vous avez eu ou l'appli? Ouais, c'est reçu, alors on va annuler son transport de prisonnier, il va venir sur votre position. Comment? Bah parfait, s'il y a quelqu'un de dispo, on attend au niveau du vendeur moto. Tu l'as fouillé? Non, ça se fait au commissariat, la palpation. Ok, comme tu veux. Piu. Du coup, c'est votre véhicule, ça, monsieur? Oui. Oui, c'est bien. Très bien. Alors, on va regarder dans le code pénal qu'est-ce qu'il raconte. Du coup, vous avez tentative de vol d'un véhicule. C'est un contrôle total, 20 000. Donc, je vais vérifier votre véhicule, monsieur. Est-ce que vous avez les clés à passer, s'il vous plaît? Yo Extrême Damien, bienvenue! Merci pour le resub, ça fait plaisir! Bienvenue à toi, jeune homme. Donc là, comme vous l'avez vu, s'il n'y a pas de flic de dispo, moi je fais demande à un véhicule de sécu. À moi, s'il vous plaît. Monsieur. 1240. Tenez, je vous montre ma carte de police. Vous avez essayé de voler quelque chose? Parfait. Parfait. La Ford
coffre de... La croix du corps là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la bagnole ? Tu les vides. On va vérifier que ce soit bien sa bagnole au moins. Ok, Yanis Sam, c'est ça ? Yanis Sam, ouais, c'est ça. Ok, c'est sa voiture, en effet, il a pas menti, c'est bien la blanche. Il y a rien du tout dans la voiture. On va faire une petite fouille. De toute façon, le véhicule, rien d'illégal, ouais. Rien d'illégal dans le véhicule, je referme. C'est quelle voiture, monsieur, que vous essayez de voler ? La Crown Victoria, là-bas. Ouais. Pourquoi avoir essayé de voler la Crown Victoria et pas la Peugeot ? Ou celle-là ? J'imagine qu'elle rapporte plus, hein. Ah, je vois. Ah bah, vous avez l'air de bien vous y connaître. Écoutez, heureusement qu'on était là pour empêcher ce vol de voiture, monsieur. Oh, c'est qu'une voiture. Oui, bah juste, je vais aller voir à qui elle appartient, cette voiture, d'ailleurs. Voiture qui est fermée. Ah, faut voir s'il a réussi. Demande à un monsieur s'il a réussi à faire le lockpick, d'ailleurs. Il a peut-être les clés... Alexis Kark. C'est quoi ? J'ai vu que j'ai... Ah. Du coup, vous avez les clés du véhicule ? Tout à fait. Ah, bah on est arrivé au bon moment alors, parce que là, la voiture, elle partait. Vous pouvez me passer les clés, s'il vous plaît ? Je vais les récupérer, les clés de la voiture. D'accord. Je pense, vu que c'est pas votre voiture, je vais les reprendre. On va dire que vous n'avez pas besoin de... Vous allez me les donner, après vous allez les... Ouais, vous allez vous en débarrasser. Exactement, étant donné que... Bon, vu que c'est pas votre voiture, et vous avez... mais vous avez vraiment pas de chance, monsieur. Je vais vous dire quelque chose de terrible. C'est que le commissariat est là-bas et qu'on vous entendait de là-bas. Ah oui, carrément. Bah, si je suis venu, monsieur, c'est que on a eu un forte doute. On entendait un petit peu comme une alarme de voiture au loin et voilà. Ouais, elle a sonné un peu. Ah, bah, il fallait peut-être pas prendre la fuite à notre arrivée, hein. On va dire que ça nous a mis un petit peu les idées boss, ça marche, je vais vous laisser avec mon collègue, j'allais voir la voiture. Alors. C'est pas mal, hein. Ok, la voiture est vide, donc à mon avis il a peut-être rien volé. Parfait, parfait. Alexis Kark. Ouais. Ah ouais. Bah voilà, bravo. C'est la voiture que je voulais. Tu sais quoi, je vais contacter le propriétaire du véhicule. Je vais envoyer un message pour lui demander de nous recontacter pour lui dire que sa voiture a failli tenter de voler. Bonjour. Bon. Tiens, donc lui, l'individu derrière, il a... Oh mon bagage, vous êtes beau. Donc lui, il a... Le monsieur, on l'a chopé un flagrant. Enfin, il a essayé, quand oui. Il est arrivé, il s'est barré. Ah, c'est même pas qu'il a essayé, il avait les clés du véhicule, donc il a volé la voiture. Il a lockpick la voiture. Arrivé, il s'est barré en courant. Ok, vol de véhicule. Et donc, tentative de vol, voilà. Ah non, c'est pas la tentative, c'est le vol quand même. Ouais, c'est du vol, c'est celle-là. La Crown Victoria, faudra contacter le propriétaire aussi pour le prévenir. Ok. Et du coup, lui, sa voiture, c'est la Ford Mondeo. Donc, c'est un départ en patrouille. Il essaie de voler la Ford Victoria, il a la Ford Mondeo. Ouais, je vais vous donner les clés parce que du coup, on a récupéré les clés de tout. Je vais passer à Thomas. Thomas, voilà. Merci. Deux clés. Donc Ford Mondeo, c'est la sienne. Et la Crown Victoria, c'est celle... Bah, c'est pas la sienne. La victime. C'est celle de la victime. Il y a le nom de la victime dans la carte grise. Faudra le contacter pour le prévenir. Okay. Essayez de voir s'il peut venir sur la 112. Et sinon, on l'a pas fouillé. Donc il a peut-être encore des lockpicks sur lui. Oui, j'en ai. D'accord. Ah, bah il en a encore. Voilà. Okay, donc, comme ça, on va dire que... Et il est à vous, les gars. Ouais. Tombé, malheureusement, il est tombé sur nous. Bon, ça marche. Bah, on appelle à un plateau si vous voulez, ou on laisse tous les véhicules là comme vous voulez. Vous faites que le transport. Bah, du coup, son véhicule à lui, normalement, d'après du code pénal, ne risque rien. Ouais, mais au niveau de du véhicule de la victime, vu qu'elle a été fracturée. On va l'appeler et puis on va contacter la personne. Parfait. Génial. Bon. C'est super. Bah, c'est normal, hein. Moi je balance, c'est le commissaire Park à couper. C'est vrai. C'est vrai. Il l'a dit. Je me doute que... Il a dit. Écoutez, on fait comme on peut, les temps sont durs. Allez, John, merci. Bah, c'est le début, je l'ai briefé, donc il sait qu'il faut qu'il se soit carré. Allez, merci pour le renfort, et puis à tout à l'heure. Ouais. Faites attention à vous. John, on est parti, tu me suis. Bon, cela dit, belle inter, John, quand même. Très belle inter.
Alors voilà, ouais, recule-toi parce que comme je t'ai dit, c'est un camion invisible. Ouais. Parfait. Bon, belle inter, John. Même si tu n'étais pas forcément le cerveau de l'affaire, sache que sans Minus, Cortex n'est rien. Nous allons conquérir le monde ce soir, Minus. Nous allons conquérir le monde. Ne t'inquiète pas. Ah non, mais là, faut conquérir. Là. C'est pire que de la conquête. Là, faut que je crie mon empire. Mais t'avais entendu toi aussi le tout. Exactement, et c'est parce que justement je fais du bénévolat chez les dépanneurs et bah vu que je dois sûrement travailler plus que toi, bah je sais un petit peu comment ça marche. Et j'ai reconnu justement le bruit que ça faisait, je me suis dit, ça c'est bizarre ça. Ça c'est bizarre. Le gars qu'on venait d'arrêter quand j'ai fait la vérification de ses papiers d'identité dans son portefeuille, il y avait une carte de dépanneur. Ah! Recontacte les collègues pour prévenir, parce que là par contre tu viens de sûrement trouver un dépanneur qui doit abuser de ses fonctions. Et quand je lui posais la question, un doute a chopé ses lockpicks, il m'a dit que ouais, il les a fabriqués chez lui. Ah, recontacte ou les collègues feront gaffe, parce que là faut qu'ils vérifient que ce soit bien des lockpicks qui les créent et non des pinces Monseigneur qui les détournaient. Ouais, histoire d'être sûr. Sinon, c'est un dépanneur qui vole et qui utilise les lockpicks dépanneurs pour faire du civil. Et ça, il a pas le droit. Sinon, c'est trop simple. Enfin, vous imaginez, si les mecs qui se courent en dépanneur, ils prennent les lockpicks, ils se découvrent en civil, c'est pas possible. Donc, en dépanneur, ça s'appelle pince Monseigneur. En civil, lockpick. Donc, c'est pas compliqué. Si c'est des pinces Monseigneur, c'est que monsieur abuse un peu de ses fonctions, quoi. Ouais, le mec est dépanneur, alors raison de plus, quoi. Raison de plus. What the fuck, comme certains d'entre vous disent. Exactement. Exactement. Ouais. Alors, normalement, si c'est des lockpicks, des dépanneurs, ce nom, ça se surnomme des pinces Monseigneur. Exactement. C'est ça. L'unité qui est en train de les contrôler. Est-ce que c'est suivi pour l'unité qui est en train de les contrôler ? John n'y connaît rien. Ah, John! Okay. John, tu savais pas? Le monsieur, apparemment, dépanneur, d'accord. Ah, c'est. Ouais, pince Monseigneur, c'est dépanneur, lockpick, c'est civil. Je vous remercie. Si c'est des pinces Monseigneur, c'est. Bah, GG, parce que c'est toi qui a contrôlé et qui a vu. Si c'est des pinces Monseigneur, c'est que c'est un dépanneur qui. Use. Tu n'es point inutile, tu es tel. La deuxième roue de cette moto, tu vois. Comme un clignotant, tu vois. Que serait un clignotant sans son clignotant gauche? Me colle pas trop, on va exploser. je ne veux pas mourir. Bon bah vas-y, go, on reprend la patrouille. On a appelé les ambulanciers, ils se rendent également sur place. On prend patrouille, mesdames et messieurs. Ouais, belle déduction de John, du coup. Moi, vu que j'ai pas contrôlé, je savais. Enfin, vu que c'est le collègue qui a contrôlé. Voilà. Vu que c'est le collègue qui a contrôlé, moi je savais pas trop ce qui se passait. Et c'est vrai que. Voilà. Ouais, tu m'entends sur notre fréquence? Ouais, je t'entends, ouais. Parfait, tu te mets en double sur la 80 également? Oui, tout ce qui passe sur la 80, je le reçois. Ok, parfait. Bon, je reste devant, je vais te dire un petit peu les différentes missions. Fais attention à toi. Le gars qui est vachement à l'aise. Yo, monsieur Steven, bienvenue. Reculer sans les pieds, fuck yeah. Non, mais c'est parce qu'il y a la marche arrière dessus, c'est pour ça. Et j'ai un bon point d'équilibre aussi. J'ai un très 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 bon point d'équilibre. Ça, c'est motard. Ça, motard police, ils sont réputés pour être de bons motards quand même. Voilà, faut pas être de mauvaise foi. Les motards police sont réputés pour ça. Pour être de sacrés mecs. Alors, je dis pas que c'est Superman, hein. S'il se prend un semi, passe en dessous, mais ça reste des mecs qui touchent un peu quand même. Fort bien, fort bien. Nous allons aller à droite, faire le tour et aller vers la Trinité. J'y ai pas été encore ce soir, ça marche? Ça roule. Parfait, c'est parti. Hop là. Donc on garde une petite distance de sécurité, puis en avant. Pas de soucis, pas de soucis. Voilà, parfait. Parce que je veux... Tu sers sur la droite, tu vas essayer
tirer sur la gauche. Ouais, ça marche, pas de soucis, bonne idée, tout à fait. Donc ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, c'est déjà de ne pas faire d'accident, moi non plus, hein, je peux faire un accident, attention. Si John fait un accident, c'est pas grave, hein, c'est Arma, j'ai envie de vous dire, voilà, la moto, bon, hein, ça arrive. Mais on va essayer de faire les choses proprement, sans accident. YouTube, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, parce que là, on est en police, en moto, donc ça fait un petit peu exceptionnel. Et Twitch, bah écoutez, si ça vous plaît, pensez à follow ma chaîne, ou à sub, s'il a envie, vous en dit. Et pensez à échanger, Twitch, allez sur YouTube, YouTube, allez sur Twitch. Afin de ne rien rater au contenu que je vous propose. On va donc aller sur la Trinité. On n'y a pas été ce soir encore. Même si on s'est bien baladé, on n'y a pas été. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Sûrement, peut-être pas de l'excès de vitesse, mais sûrement du petit contrôle. On va essayer de faire du motard si on peut, si on en voit. On va pas s'acharner sur les motards, mais vu qu'on est en motopolice, voilà, autant montrer un petit peu les motos. Vérifier les gilets, le port du casque, faire un petit peu de prévention, inciter les motards à acheter une tenue en cuir et pas faire de la moto en t-shirt. Vu qu'en l'occurrence, nous on a le blouson, donc pour le coup on peut se permettre de le rappeler. Parce que c'est toujours gênant quand t'as un motard de la police en chemisette qui t'explique, je sais pas moi, que... Bon alors là t'as pas de gants, il te mettrait une amende parce que t'as pas de gants, mais on va dire... C'est toujours... voilà. C'est toujours drôle quoi. Donc nous on a le blouson, donc on va inciter les motards à mettre un blouson du coup. Tu m'as parlé ? Non, 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 j'étais en train de gazouiller, pardon. Ok, ça marche. Hop là. Et d'ailleurs j'ai, alors là vous avez vu, on a risqué la mort. J'ai pas mal d'idées d'event, notamment organiser un event moto mais en police en fait. Y aller avec, bah du coup, alors pas ce soir hein, mais dans un autre épisode, à un autre moment de la semaine. Y aller en motard. Avec du coup un collègue, on va fonctionner en binôme. On va essayer de fonctionner en binôme en moto si on peut. Si on peut pas, Osef, hein, c'est un jeu vidéo, on se fait kiffer. Mais on va essayer d'y aller en binôme et organiser une balade avec les motards civils. Afin de faire un peu de prévention, mettre des cônes, essayer de faire un plateau, des choses un petit peu amusantes, on va dire. Donc voilà, vu qu'on a des motos en police, il y aura moyen de faire des events organisés par la police. En faisant passer une sorte de petit plateau de prévention, une petite balade, etc. Sans wheeling, sans excès de vitesse, juste se balader en fait. Chose qui se fait d'ailleurs IRL. Alors je ne sais pas qui fait ça, mais je sais qu'il y a certains motards police qui de temps en temps, pour la sécurité routière, organisent des balades. Ouh, le 6x6. Ah non, je pensais que c'était un 6x6 devant. Oh, c'est le collègue que je flash derrière. Oh, le collègue est à peu près, j'arrive pas à flasher la voiture devant. Tu peux reculer, j'arrive pas à flasher la voiture, John. Ah, pas de soucis. C'est bon ? Ouais, c'est bon, je te remercie, c'est bon, c'est bon. Je voulais juste être sûr que ça marche bien, j'arrêtais pas que c'est toi que je flashais en fait. C'est bon, là parfait, je te remercie. Alors, la Trinité. Qu'est-ce qu'il y a de beau à la Trinité? Alors, voyons. On va aller voir le... Il y a un véhicule par là-bas en warning ou je sais pas, on va aller voir, attends. Hop. On va aller voir le véhicule. Ah, ouais, t'as vu le stationnement qui... le stationnement qui s'est transformé, quoi. Yo, Lims, merci pour les subs, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, et merci. Welcome. Merci à toi. C'était joli, là, tu sais, le camion qui se regarde comme par hasard à notre arrivée, tu sais. Le mec qui est sorti du magasin juste pour regarder son camion. Fais gaffe, il y a une voiture, fais attention. Ouais. Ah ouais, malheureusement j'étais déjà en train de m'engager. Vas-y, je t'attends. Allez, go. Ouais,
collègues qui sont arrivés et malheureusement j'étais déjà engagé. Il est en plein phare lui ou c'est quoi? Je sais pas, il m'éclaire la voiture. C'est quoi comme bagnole? Lamborghini. David, fais gaffe, il te colle vraiment là. Ah ouais? Tu veux qu'on contrôle? Mettez-vous sur le côté, monsieur, s'il vous plaît. Tiens, vous vous arrêtez sur le côté, s'il vous plaît. On est avec nous. Bonjour, monsieur. Venez sur le côté, monsieur. Restez pas sur la route. Venez avec nous. Bonsoir. Oui. Contrôle de police. Oui. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour, vous m'entendez, monsieur? Je vous entends pas. Et voilà, je vous entends. Très bien. Joli gilet jaune. On va faire un petit contrôle de routine, monsieur, afin de s'assurer que vous ayez permis, carte grise. Pourquoi ça? Ah non. Ouais. Monsieur, c'est vous qui dites que vous êtes suspect. On va juste faire un petit contrôle. Pour l'instant, on va partir sur un contrôle, d'accord? Ouais. C'est con, la vie, hein? Vous avez pas de triangle. Raison de plus de vous contrôler, alors. Mais en fait, le triangle était dans mon sac, sauf que j'ai... Je l'ai mis dans ma moto que j'ai mis dans mon garage. Ça marche. Ça a dit, le gilet est très joli. Présente-moi une pièce d'identité, un permis de conduire, une carte grise, s'il vous plaît. Ouais. Pas de problème, monsieur. Je vais me prendre 50 ans. Vous pouvez circuler, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, pour l'instant, c'est un contrôle. Oui, désolé, j'ai regardé la moto. Merci. Présentez-moi la carte grise. Non, tournez pas les roues. En fait, monsieur, c'est pas que c'est interdit de tourner les roues, mais étant donné qu'on est à côté, si vous tournez les roues, on a un peu l'impression que vous allez taper la moto. À quoi ça me servirait, s'il vous plaît? À quoi ça me servirait? Monsieur, on ne vous connaît pas, vous ne connaissez pas, d'accord? Ouais. Donc vous êtes, pour nous, une personne normale est capable de tout, d'accord? Donc votre permis de conduire. Donc est-ce que vous connaissez le motif du contrôle? Vraiment du tout. Alors, vous savez que vous étiez en train de coller mon collègue derrière. Vous étiez à deux mètres de coller. Au bout d'un moment, quand on roule à 30 km/h en ville, je suis désolé, voilà quoi. Ah, monsieur, il y a des ralentisseurs au-dessus, hein. Il y a des ralentisseurs, d'accord. Mais monsieur, c'est 50 en ville, vous voulez. Non, mais attendez, laissez-moi finir là. On vous a jamais appris au fait à respecter les distances respectées. Que vous rouliez à 20, à 10 ou à 30, il y a des distances à respecter. Monsieur, on est des motards, d'accord. Les mecs, ils vont se battre. Oui, c'est le même que tout à l'heure, c'est pour ça que je le recontrôle encore une fois. C'est le gars de l'autre épisode qui roulait à fond. Là, vous allez vous prendre une amende pour non-possession d'un triangle de sécurité. En même temps, vu qu'il a... J'ai juste rangé ma voiture au garage. Eh ben, vous prenez une amende avant de ranger. C'est une blague, monsieur. Ah, monsieur, vous avez pas de triangle, vous avez pas de triangle, je veux dire, il n'y a pas à négocier. Déjà, monsieur, on parle même pas du triangle là. C'est que, apparemment, je vous collais, monsieur. Mais si vous rouliez à 30. Oui, mais monsieur, l'infraction. Votre collègue derrière. Monsieur, on vous met pas une infraction parce que vous me colliez. On vous prévient qu'il faut pas coller les motos et on vous met une infraction parce que vous n'avez pas de triangle. Si vous aviez un triangle, vous repartez. Bien sûr. Bah si. Pardon, monsieur. Monsieur, vous avez l'air de mauvaise foi là. Pas de mauvaise foi, monsieur, mais je comprends juste pas tout. Bah, vous avez un triangle ou pas, monsieur? Alors non, monsieur, je n'ai pas de triangle. Et bah du coup, vous avez une amende pour non possession du triangle, c'est tout. Et accessoirement, on fait un peu de prévention et on vous informe qu'il faut pas coller les motos. Notamment les motos de police, étant donné qu'on peut à tout moment tourner à droite, tourner à gauche. Voilà, prévention. Du coup, vous avez la spéciale sandwich fromage jambon, de la prévention, on vous informe qu'il faut pas coller les motos, et de la répression en vous mettant une amende pour le non-possession du triangle. Mais c'est super comme idée, monsieur. Ah, je sais bien. Mais monsieur, je vous applaudis. Ah, vous pouvez. Monsieur, à quel moment je dois écouler de vous? D'accord, je suis d'accord. Donc écoutez... Ouais, mais lui, il l'amende. Monsieur, il n'y a pas de tapis au niveau de la moto, je vends pas de tapis. Monsieur, on a l'impression de parler à un mur. Donc là, écoutez, je vais vous présenter le procès verbal, d'accord? Vous allez vous prendre une amende de 5000 euros. Mais oui, j'ai 5000 euros. Je me suis bien euros, fait monsieur. Comprendre. Oui, monsieur. Donc je vais vous présenter une amende 3 fois.
3 fois vous refusez de payer sa place en détention provisoire. Si toutefois vous avez les pompes, on se croirait. À chaque fois ça négocie. C'est magnifique. Je me suis bien fait comprendre. Faudrait nous faire des tapis. Comme ça on met des tapis à côté de la moto et tout là. On vend des tapis. Et la moto est tellement. Le bleu est tellement joli sur les bécanes. Oh là là, c'est tellement beau. J'adore. Bon, au revoir monsieur. Au revoir. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée, à vous aussi, bonne soirée monsieur. Oscar du Garden of the Garden. Je vous écoute. Vous me demandez sur la 80. Vous avez appelé ? Oui, je demandais l'unité à ERI. Ah, ERI au rapport. Nous étions en contrôle. J'ai pas mal. Il va pleurer. Non. Ah bah alors, ouais, John. Eh hey, ouais, j'étais en train de. C'est reçu, est-ce que vous êtes disponible pour le contrôle ? Ouais, toujours disponible. Parfait, on a besoin de vous pour une escorte de prisonniers en convoi. C'est où qu'il faut aller ? C'est disponible, vous êtes où ? Le commissariat central, on vous attend pour l'escorte. Allez, ça marche, on arrive immédiatement. Je vous remercie. Bon, Oscar de Puff. Non, avant. Pout, 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 pout. Par contre, à quel commissariat vous êtes ? Commissariat central. Ça va être magnifique, l'escorte. Ah, c'est tellement beau avec le bleu qui clignote, mesdames et messieurs. Charlie a fait du beau boulot. Charlie a fait du beau boulot. Oh là là, eh, ça vend vraiment du rêve. Hein. Oh putain. Ouf. Oh là là. Il a fallu qu'il me tape. Bon alors, ta conduite et tes distances de sécurité. Non, j'ai rien, j'arrive. Allez, où ta distance de sécurité? Ouais, j'ai rien dit, arrête de pleurer. Essuie-toi avec un mouchoir. Essuie-toi le nez, il y en a partout. Tu baves dans ton casque, c'est dégueulasse. Ouais, c'est tellement stylé le bleu comme ça. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est bon, il a fait un accident. Ah non, il est là-bas. Allez, go. En avant. Du coup, on va se faire une petite escorte de prisonniers, mesdames et messieurs. Alors là, faut faire attention parce que des fois, il y a un peu de lag FPS. Il y a un utilitaire sur ta droite, hein. Il est arrêté sur le bas côté. Ok, je fais attention. Alors. Commissariat, bonjour. Du coup, on a mis le bleu, les sirènes, on arrive à fond de balle. J'ai un Z800 pour le SERV. Un Z1000, il faut, Odyssée. Merci, Odyssée, ça fait plaisir. Il est tombé. Hein. Oscar pour... Merde. Oscar pour ERI1, arrivée des motards au niveau de la sécurité publique, c'est reçu ? Oui, c'est reçu. Alors, j'aimerais une unité motorisée à l'avant, une unité motorisée à l'arrière. Pas de soucis, je suis derrière, mon collègue sera devant. Allez, ça roule. Ouais, c'est bien pris. On l'emmène jusqu'où ? Jusqu'à la prison. Ok, ouais. C'est reçu. Donc là, mesdames et messieurs, on va se faire en exclusivité la première escorte avec les motards vers la prison. Transmettez. C'est bon, vous êtes prêts ? Donc ça va être magnifique. Patientez, je vous donnerai le top départ. Ça va être magnifique, magnifique, c'est magnifique. C'est derrière qui ferme. Ah, et le bleu comme ça qui clignote, il est tellement joli. En plus, il n'y a pas faux dessus, je crois qu'il protège. Je sais pas qui c'est qu'on escorte. Non, c'est bon, vous pouvez... Oscar pour rien. Transmettez. Concernant le convoi, on est en dangerosité extrême ou il y a des risques que ce soit calme ? Alors normalement ça devrait être assez calme. Après, d'accord. Je sais pas si le monsieur a des contacts, on se vérifie quand même.
Pas de soucis, c'est reçu. Oscar, toutes les unités présentes. Ouais, transmis. Ouais, alors. Je vais. Tu vois, il y a un moment où, quand on sera sur la route, là, tu vois, près de la piste, je vais bloquer la route à gauche. Et après, je vais essayer de vous rattraper pour repasser à la route à gauche, tu vois. Oh là là. Ouais, si, je vois, tu bloques les trucs et tout, je ferai pareil. Mec, par contre, fais gaffe, parce que si t'exploses le fourgon police et que ça explose, t'as tout gagné. Hein. Ouais, vas-y, ça marche, pas de soucis, on essaye de se faire un truc joli, ça me voit. Voilà. Attendez, parce que c'est compliqué, la radio et tout à gérer, je vous raconte pas le bordel. Parce que moi, en plus, en distance de freinage, on n'est pas sur un truc joli, hein. On n'est pas sur un truc joli. Alors, escorte en moto. Attention. Oscar de R1. Transmettez. Allez, attention, je vais repasser à l'avant sur votre gauche. Ouais, c'est reçu, passé. C'est beau. Le bleu est vraiment bien fait en plus, ça clignote de partout et tout, j'adore ça. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu le génie. Charlie qui a fait la moto qui est trop stylée. Et l'utilisation sur Arma for Life est vraiment propre quoi, ça colle vachement bien. Hop, voilà, comme ça le fourgon il s'arrête pas. Et c'est propre. Du coup on va essayer de faire en sorte que le fourgon ne s'arrête jamais. C'est beau. Et John il se démerde bien hein. John il se démerde bien, c'est cool. C'est beau. Carrément c'est beau. Carrément. Voilà. Et utilisation moteur, on pourra faire ça pour les VSAV et tout. Enfin il y a vraiment un délire à faire. Je suis vigilant quand même à plusieurs véhicules au niveau du garage de la Trinité. Ouais c'est reçu. C'est suivi pour les unités en concernées. Ouais c'est suivi pour aérien. C'est tellement beau! C'est tellement beau! En plus, c'est bien parce qu'on roule pas vite, du coup, c'est cool pour conduire parce que si jamais le fourgon il était à 150, à suivre en moto, des fois c'est un peu galère. Hop là, petite descente. C'est tellement beau. Et John il se fait rêver, hein, s'arrête à chaque intersection, c'est magnifique. Hein. Oscar de R1. Oui, la voie est libre. Allez, c'est parti. Sur la gauche dans 3 secondes. Bon, faut que je fasse gaffe parce que si on se tape le motard. Ah, le pont, est-ce que ça passe? Oh, ça passe. C'est beau. Eh ben écoutez, ce sera une fin d'épisode épique, mesdames et messieurs. Epicness, est-ce qu'on aura autant de likes que cette moto a de chiffres dans son nom, c'est-à-dire 1200. C'est votre défi YouTube et Twitch, bien évidemment, n'hésitez pas à follow. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, rasuper.com et Instant Gaming ou Amazon pour acheter le jeu. Tout est en description et les modos vous linkeront sur Twitch les petits liens. Petite escorte prisonnier, ça fait un moment que j'en avais pas fait. Ça fait beaucoup de contenu pour un épisode. Ah. On a eu chaud. Le freinage de la moto, par contre, c'est un truc à pas à revoir, mais c'est un truc à apprendre. Elle freine, mais pas autant qu'une voiture, forcément. Sauf si t'écrases les freins sur une moto, tu te casses la gueule. Alors qu'une voiture, tu bloques les pneus. En moto, tu bloques les pneus, t'es par terre. Donc du coup, le freinage, est, on va dire, il y a un petit côté réaliste au niveau du freinage qui est assez sympathique. Oncle, merci pour le follow, ça fait plaisir. Voilà, on garde les bonnes petites distances de sécurité. Très bien, c'est reçu. Parfait. Hop là. On rattrape notre escorte.
Ah. Deux véhicules en attente. Ouais, c'est reçu. Putain. J'étais concerné. Ouais, Oscar de rien. Transmettez. Ralentissez, je vais essayer de jeter un coup d'œil vite fait. Ralentissez un tout petit peu. Ouais, ce sont des agents de sécurité. Il y a des agents de sécurité. Ah. C'est beau. Les agents de sécu. Ah, ils ont aucun rapport avec le convoi. En fait, il y a une moto qui a fait un accident. Le petit pont que vous voyez pas beaucoup, mais on a un pont sur l'île. Voilà. C'est tellement propre, les gars. Tellement propre, tellement propre. Avec les bouées dans l'eau pour informer les bateaux qu'il y a un pont. C'est reçu. Là, je sais pas ce qui arrive, un camion. Parfait. C'est beau. C'est tellement bien géré, mesdames et messieurs. Transmettez. Ouais, c'est bon, vous avez passé le polon. Oui, on a passé l'air, je vous remercie. Tellement bien stylé. Hop là, donc là c'est l'école de police sur notre droite avec l'école de formation des pompiers également. C'est là où sont formés les futurs policiers et les futurs pompiers du serveur. Hop là. Oscar de Rien. Là il y a le collègue qui va passer. Ouais, serrez juste un tout petit peu à droite s'il vous plaît. Oh là là, c'est vraiment trop stylé. C'est magnifique, mesdames et messieurs. C'est magnifique. Et on arrive à la prison. Et on arrive tranquillement à la prison. Du coup, vous avez vu, pendant tout le trajet, là, on aurait pu se faire attaquer. Et bon, voilà, ça a été. C'est cool, hein. On va dire que ça fait du bien quand ça se passe bien, des fois. Vigilance, un véhicule derrière vous, putain, failli me faire écraser par le mec. Hop. Parfait, parfait. Merci messieurs pour le convoi, c'était parfait. Pas de soucis. C'est normal hein. Ah c'était bon. Ah aussi bon. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Je débuffe. Vigilance sur la soie où elle fait des choses autour de la prison. Ah, c'est reçu. Monsieur Prolet, quel est ton autre appel? C'est moi, monsieur. David? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'était trop beau! Allez, top! Top! Allez! Top! Top! Merci à vous, Bof, pour l'espoir, c'était parfait, je pense. Mais c'était. Le mieux, c'était Uri quand même. Le mec est en prison au moins ou il est encore dans le fourgon là? Non, il est en prison, je crois. Ok, prison. Parfait. Non, c'était bon. Les unités de Gare pour information. On va aller voir ça moi. C'est beau! Félicitations à tous. Donc là, il est là. Merde. Voilà, parfait. Donc vous venez de voir. Moto, escorte, patati, mise en prison, 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 mise en escorte. C'était vraiment, vraiment stylé. Avec du coup pas mal de services qu'on avait. Sécurité publique avec le fourgon. Et, voilà, attendez. Non, non, meurs pas, meurs. Pff, on a eu du bol. On avait donc sécurité publique. On avait PAF également dans les airs. Donc PAF, c'est l'hélico de la police, police aux frontières, ERI et hop là. Et du coup, sécurité publique, c'était vraiment nice. Likez la vidéo, abonnez-vous. Fin d'épisode pour YouTube. C'était propre. Il est 22h, mesdames et messieurs. C'était un très, 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 très joli convoi. Et en plus, ça s'est très, 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 très bien passé. Ça mérite des applaudissements. Bisous. Tchou tchou.